Ouais, salut. Alors, le montage à la bordelaise, ben, c'est ça. Alors, le montage à la bordelaise, ça veut dire le montage des tuiles, bien sûr. Alors, ça veut dire que sur les chevrons, on installe. Alors, les chevrons, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chevron, c'est ça. D'accord? Ce n'est pas une poutre, d'accord? Ça, c'est un chevron, petite section. Okay. Voilà, une poutre, c'est cette taille-là. Voilà, ok. Donc sur les chevrons, on installe des petites voliges. Ça, c'est la volige. D'accord? Cette partie de bois là, ça c'est la volige. Sur lesquelles on cloue des petits litots de 20-20. 20-20, ça veut dire 20 au carré. 20 par 20 par 20, gna gna. Ok? Voilà. Et après, on installe les tuiles comme ça. Les tuiles coulantes, coincé par les litots. Alors il faut prendre les mesures précisément quand on installe ça, bien sûr. Et après les tuiles couvrantes par-dessus, comme porte leur nom. Voilà, oui, les coulantes. Alors les coulantes, c'est les tuiles qui sont comme ça, les tuiles qui sont en dessous, où l'eau coule. L'eau coule. Voilà. Et les couvrantes, celles qui couvrent là, celles qui sont par-dessus. Voilà. Voilà. Comme ça, vous apprenez peut-être quelque chose. Parce que il n'est pas impossible, si vous habitez dans le Grand Sud-Ouest, que votre maçon vous dise: ah, mais votre toiture, elle est montée à la bordelaise, on va la refaire. Attention, danger, qu'est-ce qu'il veut faire? Méfiez-vous, parce que ce système-là est un système assez fiable, très fiable par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Okay? Alors, système à la bordelaise, bien sûr, ça demande du temps, de la précision, bien sûr, de la précision dans tout, dans la taille des bois, parce qu'il faut avoir un scieur, une scierie qui vous fournissent des voliges retaillées comme ça, sinon faut vous les retailler. Il faut avoir des litots de 20 par 20. Voilà, donc il faut trouver une scierie qui vous fournit ça, ou un marchand de matériaux qui vous fournit ça. Déjà. Mais c'est un montage qui est assez fiable. Les tuiles sont très bien tenues. Bon, maintenant on peut l'améliorer de plein de sortes de manières en mettant des crochets, tout ça. Mais pour un montage ancien, c'était assez fiable. Donc voilà, ça c'est le montage à la bordelaise. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, j'ai découvert un peu, j'ai enlevé des fils. Voilà, donc ça c'est le montage à la bordelaise, qui normalement est dans ce sens. Okay, voilà. Voilà. Bon, c'est tout. Allez, je vous laisse là-dessus, sur ce montage à la bordelaise. Salut.